Hello la Pixie Army, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo challenge. Alors ce qui explique ce look un petit peu particulier, c'est qu'aujourd'hui c'est la Dapper Day à Disneyland Paris, donc la journée vintage, et j'ai choisi de faire Isma en tenue Charleston. Alors aujourd'hui je vous retrouve donc pour un challenge qui a été choisi par vous la Pixie Army, puisqu'après avoir fait la journée personnage, aujourd'hui on va essayer de relever un défi de taille, puisque nous allons essayer de manger le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter et le dîner à Disneyland Paris, le tout pour moins de 30 €. Et je suis accompagnée de quelques invités que je vous présente juste ici. Moi je m'appelle Alexandre, je travaille sur DL Polémique, une chaîne où le débat est de mise. écoutez, niveau restauration, c'est très simple. Je pense pouvoir respecter le budget car je me nourris jamais. Elisa, alias Coco, critique culinaire. Moi c'est très simple, je n'aime rien. Et surtout, j'aime de moins en moins Disneyland Paris. Ça va, c'est assez, 24 ans, célibataire, aussi depuis 24 ans, exactement, c'est pas très grave. Alors moi dans la vie j'aime beaucoup manger, mais je suis un peu compliquée comme meuf, tu vois, c'est peut-être pour ça que je suis seule. C'est ce que je mange exclusivement, des papiers de bonbons, j'aime le papier. Papier de toilette aussi, c'est sympa, mais ça je le réserve au dimanche, c'est un peu un repas droit. Donc pour vous faire un bref topo, moi je suis connue comme la relou de service, la meuf qui choisit à chaque fois les restaurants parce que en fait il y a généralement qu'une option qui me plaît, et encore sur les restaurants c'est un petit peu compliqué de manger avec moi sur le parc, mais on va voir si on relève ce défi, si on arrive à me trouver de la nourriture, et je vais surtout vous donner toutes mes astuces à petit prix. Donc là il est environ 9h30 du matin. Moi ce que j'ai fait du coup pour le petit déj, c'est que j'ai été au relais slash casino, c'était fait exprès, et surtout ça coûte pas très très cher. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une bouteille à 2 €, ce que je trouve quand même pas donné, ne nous mentons pas. Mais sachez qu'il y avait une formule petit déjeuner avec viennoiserie plus café à 2 €, ce qui est quand même assez raisonnable. Je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est assez compliqué de trouver ce genre de petit prix sur le parc. Mais si jamais vous venez en RER, vous avez le Val d'Europe qui est à une station, et en fait vous avez un immense carrefour, et ça vous permet de payer pas cher du tout, et ça peut être une bonne option. Il y a également des boulangeries, etc., si vous voulez aller manger des petites choses à petit prix. Mais il y a également une deuxième petite astuce, et en attendant mes copains, je vais aller vous la montrer, direction les studios. Une petite gorgée pour la route, puisque moi j'ai déjà commencé à entamer le budget avec juste une bouteille. Avec mon maquillage, vous comprendrez que j'ai pas trop envie de manger un gâteau là tout de suite, et puis j'ai pas très très faim. Mais allez, à la vôtre la Pixie Army, et moins 2 € au compteur. Voici donc au Walt Disney Studio, et qui dit saison à Disneyland Paris, puisque nous sommes en pleine saison des super-héros Marvel, dit également petits snacks, petites choses à trouver qui sont pas trop chères. Je vais aller faire un tour des cartes pour vous montrer un peu les tarifs et vous montrer que oui, on peut petit déjeuner à Disneyland Paris pour moins de 5 €. La boisson c'est compliqué, mais au moins le snack. Alors là la Pixie Army, on est un peu dans du hors budget, voyez-vous, puisque on a la formule à 7 €, et moi l'objectif c'est de manger pour moins de 5. Désolé monsieur, au revoir. Donc là on est un petit peu plus dans l'esprit que j'avais en tête, puisque là on a des snacks. Le plus cher est à 4,29 €, le gâteau Groot que j'adore, mais j'avoue qu'il est cher. Mais sinon vous avez des gâteaux avec des pépites de chocolat. Si en plus vous avez la réduction passeport annuel, c'est vraiment tout bénef. Honnêtement, je trouve quand même que le café et les boissons de façon générale sont assez chers à Disneyland Paris, donc ce que je vous conseillerais c'est de ramener votre bouteille au plus possible en tout cas, ou de consommer un café à l'extérieur puis ensuite d'aller dans le parc et de pouvoir se prendre une petite gourmandise qui là ne sont pas trop chères. Là au moment où je tourne cette vidéo, c'est donc la saison des super-héros Marvel, mais bien évidemment en fonction de quand vous venez sur le parc, il y a différents snacks, différentes nourritures thématisées et des choses à petit budget. Et puisque je suis ici, je vais également en profiter pour vous montrer une autre astuce qui ne tient pas au moment où je tourne cette vidéo, mais qui peut vous être utile pour manger pas trop cher. Je vous emmène. Ah.
Ah, vous voilà. Donc je vous emmène avec moi dans la partie ratatouille des Walt Disney Studios, où en fait de juin à septembre, environ juillet à septembre, vous avez le rendez-vous gourmand. Qu'est-ce que c'est que le rendez-vous gourmand? Ce sont des petits chalets qui sont tout autour de la place et qui vous permettent en fait de découvrir des plats typiques de certaines régions. Et vous avez pas mal de choses à manger pour moins de 10 €. Donc ça vaut vraiment le coup pour le midi. Complètement fermé, et tant mieux puisque les restaurants à table c'est vraiment pas notre budget, et encore moins ce restaurant là qui est absolument excellent. Je vous avais d'ailleurs fait une review sur le blog, mais c'est pas dans nos tarifs, pas aujourd'hui en tout cas. Clairement on n'a plus rien à faire ici. On a réussi à déjeuner, petit déjeuner pour moins de 5 €, puisqu'il y en avait pour 2 € de la bouteille. J'aurais sûrement pris un des cookies avec toutes les petits Smarties, donc on aurait été pour 4,79 €. Je considère que le défi est relevé pour le petit-déj. Je vous donne rendez-vous avec mes potes sur le parc principal et on va voir comment est-ce qu'on s'en sort pour réussir à contenter tout le monde à petit budget. Nous sommes actuellement devant le Last Chance Café avec un Alex toujours aussi mal à l'aise. Donc du coup, pour expliquer le cas, au départ on voulait aller manger ici parce que comme vous pouvez le voir, les tarifs sont quand même relativement raisonnables. Mais en fait, on s'est dit que bon, déjà il y a un peu d'épices, donc bof bof. Et surtout, on a envie de tester un restaurant qui va être plus ouvert au niveau de l'année, parce que celui-là, il est vraiment ouvert genre 2 fois par an, hein, à peu près. Donc là, on est au Fuente de Lolo, avec ce merveilleux accent. Et niveau tarif, on n'est pas dans ce qu'il nous faut. Bah moi, je trouve ça bien. Hein. Ouais. Niveau tarif et tout, vous en pensez quoi? Au niveau du VG, c'est stylé. Ouais, il y a quelque chose qui te plaît? Une glace. Oui, non, mais je veux dire pour manger le midi. Une glace. Mais c'est quoi déjà notre budget, Pixie? 10 €. 10 €, d'accord. C'est chaud, hein? Alors. Non, mais le menu enfant. Alors, 10 €. Oui, non, j'ai repéré des trucs. Il y a quoi qui te. Moi, le bœuf sauce tomate aux légumes. Qui est je où? Je suis un peu au-dessus du budget, mais. Bah, eh, on n'a pas le droit. Ou alors, c'est-à-dire que tu manges moins à 4 h ou au dîner. Ah merde. C'est 30 € par jour. Donc, ouais, c'est 30 € par jour. Une salade Hakuna au poulet à 7,49 €, ça me va très bien et ça a l'air très bon. D'accord. Bah là je. Mais... Oh, putain, regarde, ouais, c'est la Kunamata végétarienne, il y a des trucs stylés, genre salade, ananas, fèves, concombre, patates douces, tomates, poivrons, oignons, cacahuètes grillées. Enfin franchement ça passe. Cacahuètes grillées, putain, mais... c'est original. Je vais pas mourir, moi. Ça, tu... 6,99 €, ça passe. Après tout dépend, regarde, si par exemple tu prends les aiguillettes de poulet Hakuna ou quelque chose comme ah, non, ça et que raison. Tu comptes la... Je vais prendre le menu enfant, je vais faire comme toi en fait. Oui. C'est moi, il est où le menu enfant? Là, à gauche. 8,99 €. J'avoue, un peu aveugle cette personne. Bah je prends le menu enfant en fait. Mais tu vois rien Sarah pour te coller comme ça? Que la réduction passeport annuel rentre dans le jeu ou pas? Oui. D'accord. Le but okay. C'est vraiment de payer moins 10 €, mais après si les réductions passeport annuel, ça plus, il n'y a pas de soucis. Donc si Lolo il veut le truc à 10,99 € avec sa réduction, ça rentrera. C'est exactement ce que je lui disais. Ah, non, c'est 10 €. Ça devrait passer. Ok, super. Est-ce que vous avez pris? Dis-moi, Elisa. Moi j'ai pris une salade au poulet. D'accord. À l'intérieur, j'arrive à l'ouvrir. On a du maïs, des cacahuètes, de la salade, des petits légumes, de l'ananas. C'est hyper original. C'est vrai. Et j'ai pris un Coca Zéro avec. Et le total m'a coûté 10,06 €. Avec réduction Magic Plus. D'accord. On considère que ça rentre dans le budget. Ouais. Et c'est exclusivité d'ici en plus le plat, non? Absolument. Et franchement, c'est. C'est copieux. Hein. Voilà. Ah ouais, c'est copieux. Bah, tout bien, quoi. Et original en plus. Et toi, dis-nous tout alors, Elsa. Moi, je suis en budget. Hein. J'ai pris un menu avec les aiguillettes. On va dire qu'elle ne participe non, pas je au budget. Participe pas. Voilà, elle ne participe pas au challenge. Ça mais... fait 12 € le menu quand même. C'est vrai. Ça reste raisonnable. Ça reste... Sachant que toi, t'as la réduction Infinity ouais, en plus. 15%. Bon, on va repartir sur les gens qui jouent le jeu, hein. Et toi, qu'est-ce que je tu as pris? Le jeu sous la contrainte. Les aiguillettes de poulet. Ouais. Coûtait 10,99 €. Avec la réduction Infinity, ça fait 9,34 €. Ah bien! Mais du coup, j'ai pas de boisson. Pour 8,09 €, j'ai pris un menu enfant. On dirait pas comme ça, je trouve que la portion est quand même assez généreuse. Donc j'ai des saucisses avec des frites. J'ai également un petit gâteau au chocolat et un fusti. Alors, c'est une salade végétarienne. Ouais. Hakuna végétarien. Et elle m'a coûté 6,99 €. Plus les zones. Ouais, mais en vrai, ça rentre dans le budget. Hein. Non, parce qu'ils sont à 5,99 €. Ah oui, c'est quand ils sont en menu qu'ils sont à 3 €. Là, il a pris parce qu'on va partager. Ouais. Parce qu'on va en prendre deux de chacun parce que j'ai pas assez faim pour ouais. tout prendre. Mais au final, c'est par exemple juste ma salade. Moi, j'ai ma petite bouteille d'eau Astuce
si vous venez sur le parc, prenez une petite bouteille d'eau parce que flemme de payer 3,69€, je crois. Sachant qu'en plus, il y a des endroits où. Oui, t'as des endroits où tu peux remplir ta petite bouteille d'eau. À la base, c'était trop beau. Mais comme une. Alors bon, bah là, ça ressemble plus à rien. Mais à la base, c'était très joli. Il y a quoi dedans? Alors, il y a de la patate douce, des fèves. C'est la sauce ça, qui sent fort. T'as une petite sauce, petite sauce vinaigrette, des petites petites tomates, non, poivron, concombre. Puis après, franchement, des petits oignons, Toi, t'as réussi à prendre un plat à la carte qui est pas très cher de base. Toi, t'es tombé sur un plat à la carte, donc du coup, t'as quand même été en dessous des 10€, malgré le fait que t'aies pas de menu. Ouais. Et ça montre quand même que bah, si vous prenez les éléments tout seul, en fait, vous payez beaucoup moins cher que si vous prenez. Si c'était à refaire, moi je ferais exactement ce que t'as fait parce que toi t'as la boisson avec. Ouais. Donc j'aurais pris un menu en fond. J'ai une objection. Moi j'ai pas mangé ce matin. J'économise 5€. Non, parce que vous rentrez sur mon budget à moi du coup. Quoi? Bah. Tout le monde a à moins 5€ du coup. Parce que vous êtes tous arrivés à la bourre. C'est comme si on devrait prendre la table. Ouais, moi j'aurais pas mangé. Je serais venue à 8h, j'aurais pas mangé. C'est vrai, c'est vrai. Une guest lambda, des jeunes chez nous vont venir. Oui, c'est vrai, mais bon, on nous a demandé un défi, manger sur le parc, ok? Ne commence pas. Ouais, moi je trouve qu'il y en a qui jouent pas vraiment le jeu dans cette bande et je pense qu'en fait, à part toi et moi, Pixie. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais bah non, Gogo, tu rigoles ou quoi? Gogo, c'est celle qui a le mieux joué le jeu. Hein. Oui, alors Gogo, elle voudrait dire on sait quand on dans le jeu. Gogo, elle va dire que la salade est pas bonne? C'est original et frais. Mais. Très bon. T'aurais peut-être dû prendre celle de Sarah. Non, parce que c'est pire, elle a pas de poulet. Ah bah c'est végétarienne. Bah oui. Donc là au moins le poulet c'est un peu le seul intérêt. Mais tu vois, il y a beaucoup de salades. Vas-y, mais tu prends du normal. Et le reste, j'avoue, je saurais pas dire ce que c'est. Hein. Bah disons que tu te feras plaisir sur le goûter. Et moi donc du coup je suis partie sur un menu enfant comme je vous le disais. Alors il faut faire attention parce que tous les castes n'acceptent pas forcément que vous preniez un menu enfant. Mais honnêtement c'est ce qui est le plus raisonnable pour avoir un plat en dessert et une boisson. Et la grande majorité est à moins de 10€, même sans réduction passeport annuel. Bon, bon app. Avant le goûter, je voulais juste vous dire qu'il y avait plusieurs options pour pouvoir manger à petit prix. Là, je suis notamment devant le chai de la marionnette. Il y a le Hakuna Matata, il y a également le Fuente del Oro. Il y a quasiment tous les restaurants en fait, qui sont à Fantasyland. Vous avez également le Videopolis. Il y en a quand même pour tous les goûts et différentes possibilités. Allez hop, moi je pète à la caméra. Attends, parti. On a quand même la bouche là. Regardez, là il y a un petit magasin de glace. Magasin de glace, je respecte rien, c'est marchand de glace. Marchand de glace. Donc là pour le 4h, tu veux une petite glace là, Vicky? Bah pas là parce qu'il fait vraiment froid, mais c'est un endroit que j'adore et il me semble que les glaces, même qui croient beaucoup, sont à 3€. Mais venez, venez, on va aller voir, on va aller voir, je regarde en haut. Ah là là, cette youtubeuse en carton, on va aller regarder le prix. Vous êtes prêts? C'est parti. Tu les as vues où tes crêpes? Elles sont là, regarde. Ah! Les crêpes au Nutella. Ah ouais, bien joué! Et là, on reste largement dans le budget. Ça passe. Bah après, c'est un peu cher pour une crêpe en vrai, mais bon, oui, ça reste dans le budget. Mais pour du Disney, c'est pas cher. C'est pas cher, c'est pas trop cher. Pour du Disney. Et vous touchez. Par contre, le supplément boule de glace, c'est hors budget. Hein. Putain, j'avoue, c'est une blague ça. Oh. Le taux prix 1€, c'est un peu abusé. Du coup, on se dit qu'on va plutôt aller sur Main Street pour pouvoir se réchauffer à l'intérieur parce qu'il y a vraiment beaucoup de pluie aujourd'hui. C'est un petit peu compliqué. Mais voilà, on va quand même tester. Après, tu vois, ouais, ce que je voulais dire, c'est que pour la salade, moi j'ai l'habitude de manger des salades. Hein, ouais. Et ça me calme généralement pour toute la journée quand je prends une bonne salade. Ouais. Là, j'avoue, la salade de ce midi, elle m'a pas calé des masses. Après, c'est intéressant. Après, c'est intéressant puisque là, je vais prendre un goûter. Je suis très contente que ce goûter arrive parce que j'ai un peu faim. Parce qu'elle était. Moi, je la trouvais bonne, ma salade. Elle était pas exceptionnelle, mais elle était bonne. Franchement, elle était originale avec. Il y avait de l'ananas dedans et tout. C'était vraiment sympa. Ouais. J'aime bien, moi, le. Faut aimer le sucré salé. Ouais. Moi, j'aime beaucoup. J'aime bien les salades qui changent, qui. Tu vois? Qui peps. Alors pour le goûter, plusieurs options s'offrent à vous, la Pixie Army.
Nous, on a choisi de se concentrer principalement sur Main Street parce qu'il y a pas mal de boutiques différentes avec différents choix. Je pense qu'on va largement respecter le budget. On a décidé de se séparer, donc il y a certaines personnes qui sont parties au Ben & Jerry's, d'autres personnes qui sont au Cable Car Shop, Bake Shop, je sais jamais comment ça se dit. Moi, je me rends à la boutique de bonbons parce que j'ai flashé sur un gâteau et que j'ai jamais mangé là-bas, donc je vais aller chercher ça et les rejoindre. Par contre, il y a un truc qui est un peu embêtant, c'est que c'est très très compliqué de trouver de la place. Donc on est dans une stratégie qui est un petit peu compliquée. En vrai, je suis en train de penser à une astuce à Pixie Army vu que je suis dans la boutique de bonbons. Ce qui peut aussi être pas mal si vous voulez quelque chose de Disney mais que vous êtes en famille ou quoi que ce soit, c'est de prendre directement une boîte de bonbons ou une boîte de gâteaux et ensuite de vous la partager en famille. Si on divise le prix, ça peut permettre de ne pas payer trop cher et ça fait quand même un petit souvenir Disney sympa à partager. J'ai pris un beignet. Ouais. Elle m'a dit ce qu'il y avait à l'intérieur, j'en ai pas compris. J'ai dit je vais tester sans savoir ce que c'était. Et un chocolat chaud, c'est une formule qui coûte 5,59€. D'accord. Avec passeport annuel avec. Alors malheureusement non. Donc du coup je suis un peu hors budget, mais on va voir ce soir comment je m'en sors. Ouais, mais pour l'instant on est borderline quand même. Hein. Borderline. Lisa, t'as pris quoi? Moi j'ai pris la formule avec un donut et un chocolat chaud. Mais je dois dire, pour être tout à fait honnête, que j'étais quand même bien embêtée parce que je voulais à la base une crêpe, mais il n'y avait pas de crêpe. Je voulais un beignet, mais le beignet était hors budget. D'accord. Donc, désolé. Voilà, en fait j'ai pris ça mais un peu par dépit. D'accord, et t'en as eu pour combien? Pour 4,75€ avec la réduction de tout. Il faut savoir que Gogo, son quotidien c'est par dépit. C'est tout est par dépit. Oh, dans sa vie. Mais non, même toi oui. Par dépit. Moi j'ai. Mais en vrai vous êtes pas mal hein, au niveau du. Enfin tu es pas mal au niveau du budget. Ouais, moi, je suis un peu... Avec la salade de tout à l'heure, t'es vraiment bien. Oui, je crois, honnêtement, ça fait super longtemps que j'ai faim. C'était pas assez. T'aurais dû prendre un dessert en fait, je pense. Ah bah oui, j'étais en budget. Ouais. Écoute, j'ai réussi, mais je suis affamée. C'était la boisson du dessert. Ouais. Donc après, tu vois, si le but c'est de pas être rassasié après le repas. Non, bah non. De pouvoir consommer deux fois dans la journée. Bien sûr que non. Deux boîtes de beignets. La meuf, elle a pas compris le concept du jeu, tu sais. Et un petit jus d'orange pour le plaisir. Et le tout pour 4,99€. Et le tout à partager avec tout le monde. C'est très très avantageux. Parce qu'en fait, j'en ai mangé. J'en ai pris un et le vrai. J'ai plus tard. 4€. Moi je pense que t'en as pour 30 là. Moi j'ai pris juste des petits beignets au chocolat. D'accord, et t'en as pour combien? 5,59€. Je vous bats tous. Pourquoi t'as pris quoi? Et bah moi j'ai pris deux sablés qui sont juste ici et j'en ai eu pour 2,69€ les gars. Moi je crois que tu tapettes un peu. Ouais. Oui, bah laisse-moi. Parce que. Ah oui, mais d'accord, bah viens. Je pensais que si tu veux, il y a des miettes là-bas. Hein. J'en ai deux. Moi, je fais à deux sablés comme ça. Comment vous m'avez pas respecté? C'est un truc de ouf. C'est trop facile. Moi aussi, il y a des miettes. Hein. Si tu veux, tu peux ramasser des miettes à côté. Moi, j'ai acheté deux miettes. Non, j'avoue, j'ai pas pris de boisson, mais j'en avais pas spécialement envie. Mais je pense que j'aurais pu prendre un chocolat chaud. Et je sais pas s'ils en faisaient à la boulangerie. J'ai pas fait gaffe. Si, ils en ont, ouais. J'aurais peut-être pu demander. Ils en ont dans les deux. Ouais. Moi j'ai pas pris de boisson non plus. Mais là ça aurait été hors formule du coup. T'aurais pas pu prendre hors formule. Ah mais j'ai pas eu de formule de toute façon là. J'ai payé cash. Donc bon. Bon bah. Bon app avec ma miette. Hein. Non ? Ok, tout va bien. Donc la Pixie Army. Arrête, tu m'as caché mon focus là, il a fait trop sur toi. La Pixie Army, on est donc au Earl of Sandwich pour ce soir. Le truc qui est un petit peu drôle, c'est qu'on n'a aucune idée de combien il nous reste, donc il va falloir qu'on calcule. Et en fait, en fonction de ce qui nous reste, et ben, on va savoir ce qu'on peut commander ou pas. Donc tu disais, aujourd'hui j'ai calculé et j'ai mis un petit rouge. Yes. J'ai mangé pour 15,58€. T'es sérieuse? Avec le petit déjeuner? J'ai pris le Wow. J'ai compté 5 là pour le petit-déj. Ouais. Donc c'était 6,99€ ma salade et mon goûter 3€. Oh là, je t'ai craché dessus, excuse-moi. Ah ouais. Comment ça va toi? Mon goûter 3,59€. Ah ouais. Je peux prendre 15 là, je peux prendre 15 balles. Ouais. Je peux me faire plaisir. C'est trop bien. Oh, je suis contente. Tu veux bien calculer pour moi? Ok.
Après, t'as mangé quoi? Alors du coup il y a 4,79€ pour le petit déj, donc mes 5€ comme toi. J'en ai eu pour 8,05€ du repas. Et 2,60€ de goûter. 2,69€ précisément. 16,19€ t'as mangé aujourd'hui. Oui. 5 plus 9,34€. Plus 5,59€. Toi, tu es celui qui a le plus baissé le budget. 19,93€, il me reste 10€ à dépenser. Donc tu es pile dans le budget en fait, bah ouais, en vrai. Bien. T'as grave géré. Bah ouais. Et du coup. Je suis trop fort. J'en ai eu pour 29,26€. Ah, borderline. Bravo. Alors moi j'ai pris un petit Perrier et des chips parce que comme vous savez je ne me nourris pas. Donc ça me fait à peu près, donc je sais plus combien ça me fait, mais la bouteille c'est 2 et les chips c'est 3 je crois. Donc 5? Comment? Donc plus 5 en fait. Oui, c'est ça. Et t'avais calculé combien t'avais? Oui, alors j'étais à 19,02€. Ouais. Donc ça fait 24, ouais. Donc t'es à moins de gogo au final. Parce que j'ai pas pris de sandwich. D'accord. Voilà. Mais moi j'aurais pas pris de sandwich. Donc je t'ai battu, je t'ai battu. Les mecs se disputent tout le temps, c'est un truc de ouf. Je l'ai battu, il n'y a pas de débat. Sarah ? Alors, où est-ce qu'on en est dans les comptes ? J'ai pris mac and cheese, parce que c'est végétarien. Ouais. Vous avez compris la blague tout à l'heure, c'est juste que moi je mange pas de viande, c'est tout. Je m'en nourris pas le papier toilette, malheureusement. Ça m'empêche, j'ai mal à le digérer. J'ai calculé, donc ça c'était 8,95€. Et en tout, j'ai dépensé 24,50€. J'ai mangé pour 24,50€. Ok, bravo. Moi, donc 5 pour le petit-déj. 5 pour le petit-déj. 8,05€ pour le midi. 2,69€ pour le goûter. Et moi, la petite Army, j'ai juste pris un sandwich parce que j'avais vraiment plus faim. Et donc j'en ai eu pour plus 6,45€. Je pense que c'est la première qui a gagné avec 22,64€. Waouh. Oh là là. T'as le seum que j'ai encore gagné quelque chose face à toi. C'est que ça fait des mois que tu prépares cette vidéo. Pas du tout. Calculé. Franchement. La différence, c'est qu'elle a mangé des miettes au goûter. Ah. Le problème, c'est que le lieu dépasse de perdre. Oui. Est-ce que c'est la deuxième fois que je l'écrase à plate couture? Mais ça, faut pas le dire. De toute façon, tu aurais mis Tu rigoles, j'ai compté avec ce que j'ai mangé aujourd'hui, j'en ai mis 27€ sans surveiller. Je me suis battue. Elle a quand même réussi à rentrer dans le truc. Hein. Moralité. Bon appétit. Cette journée, moi, je dirais que. Ça avait déjà plus. Réaction. Le bilan de cette journée, je dirais que c'était pas si difficile que ça. Ouais. C'est un but qui est facile à tenir, surtout si vous sautez des repas finalement. C'est facile si vous ne mangez pas. Non, mais c'est rare que je fasse tous mes repas ici dans Paris, y compris les goûters, les petits déjeuners. Je ne fais jamais de petits déjeuners et rarement les goûters finalement. C'est ça. Et en vrai, si vous faites deux repas dans la journée, bah, vous pouvez en avoir largement pendant 30 euros. Et si vous voulez faire tous les repas, bah, faites comme nous. Moi, pour rejoindre la vie d'Alex, c'est vrai que en fait, c'est faisable. C'est faisable, mais moi, mon conseil, ce serait plutôt de, par exemple, emmener vos propres sandwichs au préalable pour le déjeuner. Et faites-vous un resto sympa le soir. Moi, je serais plutôt ça, plutôt que d'être aussi grec à devoir tout calculer toute la journée. Ouais. Après, il faut admettre qu'avec des familles, ça monte aussi très vite. Ouais. Parce que nous, on paye chacun notre part, ça va encore. C'est pour ça que le sandwich le midi que tu t'amènes et tu profites le soir, ou l'inverse. Ouais. Après, j'avoue que moi j'aime beaucoup le repas de 4h à Disneyland Paris, aller au Victoria, se poser au DLH si on a les moyens. Mais du coup, il faut songer à ce moment-là si tu fais un goûter vraiment important à sauter un autre. Après, c'est mon avis perso, mais j'ai vraiment pas la sensation de m'être privé. De toute la journée, j'ai vraiment mangé à ma faim. Ouais. C'est ce que je sais. Du coup, je sais que c'est moi, j'aurais l'argent pour plus rajouter. Arrête d'avoir le seum, ok? J'aurais pu rajouter 40 boissons chaudes, 40 boissons pour 4 heures. Et au-delà de ça, enfin, quand même, j'aurais pas mangé plus que ce que j'ai mangé. Aucun moment, je me suis privé où j'ai mangé. Pareillement. Et toi, Sarah? Bah, moi, écoute, mon corps, une journée où je me suis nourrie, c'est bien. J'ai mangé, je suis très contente.
moi quand je mange, je suis contente, donc ça me va. Et voilà, c'est tout. C'est ça, meilleur sur les verres. Bah voilà, simple, efficace. Voilà, grâce à Pixie, vous pouvez manger pour moins de 30 euros. Bah écoute, toi, n'hésite pas à nous dire ton prochain challenge en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et suivre les copains en même temps. Et en attendant la prochaine vidéo, on les a vous. Bisous, bisous. J'ai retrouvé la sorcière, ami. Il avait disparu. Et on va aller à Buzz l'éclair. Je dois affronter Monsieur Super Screen. Et j'espère que je vais gagner. Voilà. Et toi, t'espères que tu vas gagner aussi. Ah, mais moi, je vais gagner, c'est sûr. Non, mais ça va être moi. Je sais pas, ça va être. Même sur les. Faut pas être aussi rageux. Vas-y, t'es abusé là. Respecte un peu les joueurs. Regardez mon score à la Pixie Army. C'est à peu près 3 fois plus. Voilà.